28h Radio Plus, Amitié Office, bonsoir. Bienvenue dans l'émission 2-in-1 Teuf Plus Tchodekous pour la troisième et quatrième journée. Sur le plateau, comme invité, nous avons Chamanik qui est propriétaire chez Cham Chan. Nous avons aussi à mes côtés mon collègue Shai Ayadassen et sans oublier Patrice Sesmiot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sandwich. Bien sûr, nous pouvons en grand et en large sur la Duchesse, première classique de la saison. Nous bisons devant l'émission, une triste note malheureusement, c'est le départ d'un géant du club. Un géant du club qui nous quitte nous, un géant du teuf qui nous quitte nous, un grand entraîneur, nous parlons bien sûr de Gilbert Roussette. Gilbert Roussette qui nous quitte nous à l'âge de 74 ans, un entraîneur avec 958 victoires, un entraîneur qui nous remporte 20 classiques, un entraîneur qui finit dans 40 ans de carrière au Champ de Mars. Un entraîneur qui nous remporte plusieurs titres d'écurie championne. C'est quelqu'un très respecté et dans le monde hippique. C'est avec beaucoup de tristesse qu'il nous apprend une nouvelle sur la mort au cours de la soirée de mardi. Gilbert Roussette, 40 ans de carrière. Tout a commencé en 1987 avec un certain Magistrate et jusqu'à Crazy Charlie, Patrice. 958 victoires, sans oublier les super champions comme Diesel Leader, Mr. Brock, Expertise, Greenkeeper, First Row, King Cole, Fashion Editor, VDS, Passets Magic et autres, El Fuego. Nous avons aussi les victoires classiques, Patrice. Oui, Duchesse, 4 Barbé, 4 Méden, 4 Duke of York Cup, 20 classiques au total, sans oublier les 8 titres d'entraîneur champion. Oui, Santosh. Oui, c'est 9 titres d'entraîneur champion. Nous bien compte ce titre qui gagné avec l'équipe Migros. Oui. Voilà, comme entraîneur. Et au-delà d'être un entraîneur exceptionnel, et Gilbert Roussette, c'était aussi un homme de. Un homme vraiment, vraiment, comment vous dire. Et vraiment droit. Commencer comme ça, il est vraiment droit et il est vraiment amical, il est pour cause tout le monde, il est respecté tout le monde et il reste tout le temps dit, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, jamais il dit un mot de travers, et bien rarement. Et autre chose, c'est à la fin, c'est le dernier 5 à 8 ans là, et Gilbert Roussette, c'est fini, et tout. Et c'est au plus grand plaisir, c'était prendre un jeune cheval de 3 ans et faire tout progresser. C'était ça qui tient un peu ce plaisir. Et parmi, un parmi là-dedans, qui nous tout connaît, c'est Intercontinental. Quand il me prend un limo, il commence dans 0,26. Il amène l'IS, Kaline Fierchoval, Lavin Gagne, Méden. Et jusqu'à aujourd'hui, Todd Golden Trophy, Méden, la même année. Et jusqu'à maintenant, il est détenteur du concours 2100 mètres et 2400 mètres jusqu'à aujourd'hui. Et autre chose aussi, ce qui moi me fait ressortir concernant Gilbert Roussette, c'est qu'il beaucoup souvent souvent quand il qui passe dans la main, il a progressé. Oui. Ok. Beaucoup souvent progressé. Et là dedans, Mr. Brock, qui est l'Afrique du Sud, pas tiré à l'île grand chose, il passe une craque à l'Afrique du Sud. Il passe Maurice. Mais c'est nous, il vient Maurice. Les gars Méden pour neuf longueurs. Il y a la Méden et Dubaï. Les gars les courses Dubaï. Il y a Abu Dhabi. Il gagne les courses à Abu Dhabi. En France, il ne gagne pas les courses. Mais il passe. Il ne passe en France parce que l'intersaison de Dubaï, il passe en France pour dire, rester en entraînement. Et en 2010, il gagne la chance de participer dans Dubaï World Cup. C'est quand nous pouvons trouver un cheval qui passe Maurice, qui a galopé Maurice. Après ça, il galope Dubaï World Cup. C'est extraordinaire. Et ensuite, il y a eu l'épisode d'Isa Leader qui galope avec Kazakh rouge, bleu, jaune, vert. Et des leaders qui ne plaçaient, qui ne pouvaient pas gagner. Et là, moi, ça qui tout le temps fait moi plaisir, c'est comme tu peux jouer une Gilbert Roussette, à chaque fois des leaders, tu peux galoper, et tu peux retourner. Mais c'était, comment dire, des enfants qui ne retournaient là, parce qu'il y a un côtoyement, tu peux voir un grand chèque, tu peux voir un grand entraîneur qui est là-bas. C'était vraiment un plaisir pour lui. Et donc, moi, je suis bien content, et moi, bien content qu'il nous reste vivre ça. Et il reste tout le temps. Il pourrait tout le temps être très grand entraîneur pour nous. Pas seulement un grand entraîneur, un parfait gentleman aussi pour beaucoup, certainement pour aussi Chamanik, qui est propriétaire et qui a un chef-fils depuis de longues. Bien sûr, Gilbert Roussette, c'est une figure emblématique du Champ de Mars. C'était un parfait gentleman, tout le temps quand on est au training, un petit bonjour, un petit dialogue. Et un grand entraîneur, et il c'est une grande ville du Champ de Mars. Une grande perte pour le teuf mauricien, Chanil de la jeune génération.
certainement. Définitivement, je ne connais pas les Great Ghosts ou les Magistrates comme vous êtes ici sur le plateau, mais je connais les nouveaux, les Green Keeper, les Intercontinental, Mr. Brock. Ce qui m'a également retenu, c'est que ça va être un grand jockey qui M. Gilbert Rousset finalement est pour nous. Je me rappelle quand j'étais encore petit, les Shane Dye, les Johnny Jarrodis, Kevin Shee, Anthony Delpech qui vient de monter dans le Maiden. Et ben, et tout récemment, là, on a Robbie Fred qui m'a pensé, nous pouvons avoir l'occasion d'écouter dans quelques instants, mais M. Gilbert Rousset dit c'est sa bonne relation là avec Banjoquet de calibre, et grâce à l'inutre Banjoquet comme ça, un peu lieu ici à Maurice. Le succès de Gilbert Rousset est là aussi, et la contribution de Suda Sisaran sur mon bras droit. Suda Sisaran a été son fidèle lieutenant pendant plus de 40 ans, de palefrenier à assistant entraîneur, entraîneur de l'écurie, quelle ascension pour Sudèche. Mais justement, là, nous parlons d'un clip qui nous rend hommage, Gilbert. Nous guettons un petit peu au niveau de l'église, au niveau de Nishaltia, au niveau de Sudèche Sisaran, ce témoignage. Un clip bien émouvant. Nous guettons un coup ce clip-là. Enfin, moi je travaille avec lui pendant 40 ans. Ok? J'ai un cousin, bien-être. Là, mon petit peu, c'était une broyée. En fait, la liaison avec une broyée. Ça, c'est Capitaine Chesbier aussi. Là, il m'a vraiment beaucoup pour ma vie, beaucoup de plein de choses à la vie. Je suis un simple palefrenier. Aujourd'hui, je suis moi responsable pour mon roi de solidarité. Et pour moi, il y a un grand père. Il n'y a pas de dispositif pour la famille, pour ma famille. Et pour un terrifice en général, moi, tout connaît pour un terrifice en général, donc on pense que c'est Valérie Auger. Et par tout ça, il a entraîné, il a fait beaucoup de victoires avec Maurice. Et si nous avons regardé, il n'y a pas trop de choses. Super Auger, c'est quand même grand-parent. C'est lui, depuis mon naissance, il connaît moi. Et pour ça, nous, la même, c'est Gilbert qui nous moi, comme il a fait. Et on grandit en salle avec lui, avec mon tonton Sudès. On intègre l'écurie comme une famille, pas juste comme une poétique, plutôt comme une famille. Et celle de l'écurie qui, ou gagné ou perdu, c'est tous les temps, il a la joie. C'est ça qui montre nous aujourd'hui que M. Gilbert Rousset vient grandi, il est reconnu partout, et qu'il est sportif. Pénasis les courses comme gambling, c'est le sport et avant. Bien triste, c'est un grand homme, un homme de parole, un homme bien strict, bien honnête dans ce travail chez nous. Moi, je ne connais trop longtemps, je travaille un petit peu plus vite. Et bien, il fait un grand super l'année dernière, top motion du team, top ride of the day, champion général. C'est un grand team, c'est un team qui demande beaucoup, beaucoup l'instruction. C'est pas une bonne instruction, mais une bonne guideline dans les pauses. Ils ont dit, comme ça, une technique dans l'air. Pas de même, j'ai eu le plaisir d'entraîner M. Gilbert Rousset, parce qu'il 25 ans, moi, travaille au lit, et je suis en train de dire, et c'est une fois du coup olympique, et ça va. Voilà, un témoignage de Nishaltia. Son fidèle lieutenant à l'entraînement, Nishaltia, qui gagne beaucoup de courses pour Gilbert Rousset, qui a été toujours fidèle au poste chez cette écurie. Et donc, Patrice, Gilbert Rousset a aussi côtoyé des grands jockeys. Une cause de Shane Dye, une cause de Kevin Shee, tout cela. Mais dernièrement, pas oublié, c'est dans le comeback de Robbie Fraad. Robbie Fraad, à l'âge de 54-55 ans, fait un comeback à Maurice sous les couleurs de Gilbert Rousset, qui fait un tabac. Robbie Fraad a été toujours très proche de Gilbert Rousset, même en déo cadre épique. C'était un ami personnel de Gilbert Rousset. Justement, on essaie de gagner au téléphone et bien sûr, Robbie Fraad, sans hésitation, il n'a pas de ce témoignage. Nous écoutons un coup le témoignage de Robbie Fraad. Good evening, Santosh, to yourself and to your whole crew. On the wonderful island of Mauritius. As you know, I heard of the sad passing of Gilbert Rousset after a long illness. What can I say about this man is the fact that he was a true gentleman of the racing over there, a wonderful man, an honest man, a man of dignity. I was honored to have been a part of his success there in Mauritius. I got to know Gilbert very, very well, on the track and off the track. A man that loved his horses, was passionate about his racing.
and this is just such a sad time. I'm very devastated. I'm kind of lost for words, but then again, I was honored to have got to know Joubert and been a part of the stable and been a part of his success. I wish his family and his friends my deepest condolences, and I just hope that the Mauritian people will remember Joubert for many, many years to come. A very, very sad day. And the fact that he had so much success there was just unbelievable. A man of so much talent and dignity, like I said before. Thank you so much, Joubert Rousset, for making me a part of your success. I really appreciate it, and I always will remember you. I think about you every day, and I hope God opens his arms to you up in heaven. God bless you, Joubert. Donc, témoignage très émouvant de Roby Frad. Roby Frad, qui fait un fracas en 2018, ce dernier passage chez nous. Donc, on écoute Roby Frad. Il y en a aussi quelqu'un qui réalise beaucoup d'interviews de Joubert Rousset après ce match de victoire, après ce match de victoire classique. C'est Jean-Philippe Lagan, et qui est très proche de Joubert Rousset. Même en dit au cas d'hippie, côté hippisme, côté la boxe, tout le temps, ici, on a une conversation avec Joubert Rousset et Jean-Philippe Lagan, pas n'hésiter pour donner ce témoignage. On écoute un coup Jean-Philippe Lagan. Le monde hippique est sous l'état de choc. Le monde hippique est en deuil. Les premiers mots qui me viennent en tête quand on parle de Joubert Rousset, que j'ai eu l'honneur de côtoyer pendant ces longues années, c'est un vrai gentleman. Écoutez, c'est sûr que c'est une très très grosse perte pour le sport hippique. Joubert était avant tout un homme de cheval, un homme de principe, qui ne dérogeait sous aucun prétexte à l'éthique, à une rigueur, hein, puisque les résultats ne sont pas tombés de nulle part. Il y avait une rigueur absolue. Rien n'était laissé au hasard. J'ai une pensée spéciale, bien sûr, pour toute sa famille, pour Soudèche, qui faisait partie de sa famille. Joubert était un amoureux du sport. Il me demandait souvent des nouvelles de cyclistes avec les garçons. Et c'était surtout un vrai patriote, un vrai Mauricien. Et j'en profite pour, bien sûr, offrir mes condoléances à toute sa famille, à toute son écurie. On n'oubliera pas, c'est sûr, ce qu'il a créé restera encore pendant de très très longues années. Ses nombres de victoires, étant l'entraîneur le plus titré au Champ de Mars. Son équipe qu'il a su créer autour de lui, ses propriétaires. Il y avait une vraie famille, cette écurie Rousset. Et c'est bien triste. Voilà. On écoute le témoignage de Jean-Philippe Lagan. Nous avons une note, un membre influent de l'écurie Joubert Rousset, c'est Gregory Hart de Keating. Pas seulement membre influent, il a toujours été très très proche de Joubert Rousset. Gregory Hart de Keating, qui nous possède également au téléphone. Est-ce qu'il nous a mis en ligne? Oui, justement. Gregory Hart de Keating, bonsoir. Bonsoir Santosh, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. C'est pas facile de parler de Joubert Rousset qui n'est plus. Nous avons tous côtoyé Joubert depuis des longues dates. C'est quelqu'un qui a su, au fil des années, build up une réputation de parfait gentleman. Vous qui avez été toujours très proche de Joubert Rousset, bien sûr, nous avons voulu avoir votre témoignage. Allez-y, Grégory. Oui, alors d'abord, merci d'abord pour lui et pour la famille de lui accorder ces quelques minutes dans votre émission. Je pense que c'est quelque chose qui mérite et qui fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai écouté un peu les différentes interviews avant. Pour l'anecdote, quand on a pu faire Roby revenir, il m'a dit « Bon, ça y est, maintenant, je peux finir ma carrière tranquillement. Je voulais finir avec une année avec Roby. » On a fini en beauté. Et donc, c'est quelque chose qu'il avait un livre que dans sa tête, il avait fermé.
J'ai écouté un peu ce que Jean-Philippe dit, etc. C'est vrai, je pense que, enfin, ce que tout le monde a dit, je pense que ce que peut-être les gens ne savent ou ne réalisent peut-être pas, c'est qu'en fait, l'écurie Roussette a été connue dans ces dernières années comme une écurie, on va dire, puissante, qui gagne beaucoup de titres, etc. Mais moi, ce que je retiens, c'est d'où on vient, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu du jour au lendemain et on s'est installé en mettant des moyens financiers incroyables, etc. On s'est installé avec le travail, avec l'organisation de Gilbert, avec sa capacité à choisir des chevaux, avec l'aide de Michel Nérac notamment et d'autres. Et on a gravi les échelons petit à petit et il a gagné plusieurs titres. Moi, c'est ce que je disais à votre confrère de la MBC, je crois. En fait, moi, j'aime bien dire qu'en fait, on est champion un peu par accident. C'est-à-dire que dans notre attitude, on n'a jamais eu la volonté au départ, comme beaucoup de champions, d'être prêt à tout pour gagner et pour écraser les gens sur notre chemin s'il fallait. En fait, la philosophie de Gilbert, c'était d'abord et avant tout l'amitié, le partage des moments de plaisir, le partage des moments difficiles, et après, ben, après le résultat, on verrait si on méritait d'être récompensé ou non. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense que c'est aussi un grand mauricien. Je pense pas, Santos, vous connaissez mieux l'histoire du teuf que moi, mais je pense pas qu'aucun entraîneur a fait confiance à un palefrenier pour être entraîneur ad hoc, on peut dire, de l'écurie, avec le succès que Soudèche a connu. Je pense aussi qu'il a devenu beaucoup de grands jockeys, mais il a aussi fait confiance au jockey mauricien. On peut voir que Dinesh a été champion l'année dernière avec notre soutien. Nouresh a été champion aussi avant. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un grand mauricien. C'est quelqu'un qui... Il y avait pas, dans son café, il n'y avait pas de triage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour lui, ces hommes à l'écurie, c'était une autre famille. En fait, il avait plusieurs familles. Ces hommes à l'écurie, par exemple, c'était avec eux qu'il partait à Rodrigue faire une fête. Il organisait un barbecue à la fin de l'année sur la plage à Caloudine. Qui venait se joindre à nous pour la fête de fin d'année. C'est quelqu'un qui est un vrai mauricien et qui avait des valeurs qui sont vraiment à retenir, en fait, et que j'espère vont perdurer dans notre industrie et dans notre île. Grégory, Patrice a une question pour vous. Bonsoir Grégory. Bonsoir Patrice. Oui, j'ai une question maintenant. Gilbert qui est parti, quel est l'avenir, quel sera l'avenir de l'écurie Roussette? Ben, il n'y a pas d'avenir pour l'écurie Roussette. Voilà. En fait, qu'est-ce que les propriétaires, le groupe de propriétaires que vous êtes, le groupe d'amis, et qu'est-ce que vous allez bouger quelque part? Vous allez faire confiance à Soudèche? Vous avez décidé? Non, écoutez, enfin, je pense que la meilleure personne à qui demander ça, c'est Soudèche lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, l'écurie était l'écurie de Gilbert Roussette. Et Gilbert Roussette n'est plus. Soudèche n'a pas de licence d'entraîneur officiel à ce jour. Et donc, dans un premier temps, l'écurie ferme. Et ben, on verra dans les années qui viennent si le contexte est favorable à un retour. Grégory Hard de Kidding, merci beaucoup pour ce témoignage et ces précisions. Et donc, on vous souhaite bonne chance pour l'avenir et courage, mon ami. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Donc, témoignage de Grégory Hard de Kidding. On tient à remercier les intervenants pour leur témoignage poignant concernant Gilbert Roussette, le gentleman qui nous a quittés mardi au cours de la soirée. Et la semaine dernière, Finina aussi, Duchesse remportée par le grandissime favori Royal Wolf. Un coursier qui, avec 62 kilos, il fait une démonstration en piste. Sans surprise, Royal Wolf, qui confirme ce fitness, qui confirme ce classe. Très bien monté par Swapnil Rama, un cheval qui tient dans 62 kilos. Mais dit bon, Kiban Chofis connaît que Swapnil Rama, grâce au conseil de Yashine Mamdi, il met un body protecteur beaucoup plus lourd. Olivier amène beaucoup du plomb dans ce lacel, mais il met un body protecteur qui est beaucoup plus lourd. C'était une tactique quelque part, parce que quand on mène plus beaucoup du plomb dans la selle, c'est pas évident. Mais Royal Wolf a fait la différence assez facilement, même s'il était en dernière position. Vous remarquez que Roi Rama lui a monté avec beaucoup, beaucoup de confiance et dans les à l'entame de la ligne droite finale, quand il enclenchait, quand il met ce point de finesse final et en action,
La cause était entendue à mi-ligne droite et il a fait une bouchée de ses adversaires dans les 100 derniers mètres, dont son compagnon d'écurie, Charles Barr. À nous vivre ce moment de grand moment de sport là, encore une fois, nous regrettons ça les coups ça dans son intégralité. Voilà, c'est parti pour la Indian Oil Duchess of York Cup édition 2022 avec un bon départ de Shah Akbar qui se montre le plus rapide et qui va donc lancer cette épreuve devant Craig Kitchup qui est quelque peu repris alors que Zivala Winter arrive à son extérieur. Ensuite, on retrouve en quatrième position Prospect et en dernière position fermant la marche, le favori Royal Wolf. Les chevaux qui vont quitter maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente sous l'impulsion de Shah Akbar et Sunil Bassant avec de longueur d'avance à 850 mètres de l'arrivée sur Zivala Winter. Prospect qui va se rapprocher se retrouve maintenant à l'extérieur pratiquement de Zivala Winter. Ensuite, Crank It Up et Akash Charaz. Et en dernière position, le favori Royal Wolf monté par Swapnil Rama. On est à 600 mètres du peloton. On se dirige vers la rue du gouvernement avec Shah Akbar. Donc, il semble très, très facile à l'avant alors que Prospect s'est rapproché en deuxième position et commence donc à accrocher le leader. Crank It Up déboîté. Regardez l'attaque également de Royal Wolf qui est lancé complètement à l'extérieur. En pleine ligne droite maintenant, Shah Akbar. Est-ce que la classe va parler ici pour le cheval de Kilgar Jidar monté par Bassant? Royal Wolf qui va foncer sur lui à l'extérieur. Crank It Up qui tente de revenir. Royal Wolf avec Shah Akbar. Royal Wolf, Shah Akbar qui tente de revenir. Royal Wolf va remporter la duchesse devant Shah Akbar. Troisième place, Crank It Up. Ensuite, Prospect et Zivala Winter. Eh bien oui, la classe qui a parlé Rajiv, malgré ses 62 kilos, mesdames et messieurs, Royal Wolf offre une troisième victoire aujourd'hui à l'écurie Gajadar et la victoire dans la Indian Oil Duchess of York Cup, victoire classique pour Monsieur Classique. Oui. Donc Patrice, victoire de Royal Wolf, une victoire attendue quelque part, mais quand même chaque bar pas une démérité. Oui. Pour commencer, Royal Wolf, 70 kilos, et faire la course en queue de peloton, et contourne tout le peloton, venir en ligne droite comme ça, il faut le faire. C'est quelque chose de très difficile. Oui, justement, et après la course, moi et Patrice, j'ai l'occasion à l'écurie Gajadar pour courir avec Ramapati Gajadar et que sorti de Rama. Je me suis dit, est-ce que c'était le plan avec 70 kilos pour suivre en dernière position comme moi? Et j'ai dit, oui, vu que c'est un petit guide cheval, il est parti inquiet et que je me suis dit, si le cheval était à 100%, et j'ai dit, non, le cheval était à 80-85% et que there's more to come from the source. Et que M. Sunde Vanu disait qu'il y put d'une sorti de Rama, la monte peut-être dans la Barbie Cup la prochaine fois. Alors, beaucoup reste à venir de ce cheval-là. Chamanik? Ouais, impressionnant avec 70 kilos Santosh, vraiment impressionnant, l'accélération surtout placée en ligne droite, c'est vraiment impressionnant le choix. Mais écoutez un coup justement, le jockey qui pilote Royal Wolf, c'est Swapnil Rama, et qui nous interviewe, bien sûr, il nous donne l'impression après la victoire écrasante du Royal Wolf, Swapnil Rama. Bonsoir Santosh, Royal Wolf, c'est un cheval qui... vraiment qui impressionne moi ce ben workout training et m'a montré plusieurs fois training et il y a beaucoup de travail, il est assez fit par rapport à ce pouce du CES, il est vraiment, je souligne qu'il a fait un travail formidable avec son équipe, avec bien sûr Yashin, tout ça, et pour moi ce ben là prêt pour galoper sur les courses. Et voilà, et mon seul souci avant les courses c'était 70 kilos bien sûr. Et moi j'ai un petit kit, paye attention, ça peut peser le balance. Mais la façon qu'il se va l'engalouper et que la façon qu'il accélérait en ligne droite avec ce 70 kilos, il impressionne moi. Pour moi, c'est un cheval qui il peut aller bien loin. Il a un bel avenir ici, il dit qu'il y a un petit crack pour Maurice. C'est un cheval qui, franchement, lui fait vraiment plaisir à monter. Il est bien généreux dans l'effort. Et voilà, très content, je voudrais essayer game au 3ème du 16. C'est grâce à M. Sungatada qui m'aurait mis sur lui tout cœur. Et m'espérer que la chance continue de mon côté et mon continue à gagner la monte que M. Sun et que mon carrega la chance monte au Royal Wolf encore une fois. Merci. Bon, voilà les impressions de Swapnil Rama. Et quelques infos, Chanel.
Oui, cette semaine, deux nouveaux jockeys qui vont rejoindre nous ici à Maurice. Nous avons Michel Platini de Oliveira qui vient pour le compte de l'écurie Pritam Debi. Et nous avons également Anthony Andrews qui vient pour le compte de Patrick Mervin. Les False Rails à 3 mètres cette semaine, installés par la People Stuff PLC. Le temps est beau. Paraît qu'il nous pourrait en avoir plus à 2,8 unités demain. Toutes les conditions sont réunies pour un bon week-end de course avec 18 courses autour du week-end, 8-8 samedi et dimanche. On pensait que toutes les conditions sont réunies pour un bon week-end de course. Sauf qu'il est parti évident hier pour Ramso aussi bien bientôt. Ouais. La ligne, tout ça. Et c'était pas évident d'espérer qu'à l'avenir, pour une amende rectification, parce que c'est pas évident hein, à 7 heures d'avoir le programme officiel, les lignes, tout ça là. Là, avec le week-end des courses organisées par People Tough, la semaine dernière, c'était le Mauritius Tough Club. Nous faisons un flashback rapidement des différentes courses. La première course de la semaine dernière, remportée par la doublure de l'écurie Patrick Mervin, Patrice Zantus, au dépens du favori de la course Secret Circle. Mais Zantus a été bien monté par Melvin Titan. Oui. Et vous pensez qu'il gagne la course et juste après le départ, quand il rabatte brusquement à l'intérieur, s'il n'a pas fait sa move là, et il n'est pas tout gagné la course là. Parce que tu vois le point 9, c'est plus difficile pour lui. Donc c'est là quand il galope en position idéale, il y a ce compagnon d'écurie. Et dans les derniers 100 mètres, même avant même, derniers 200 mètres, qui a accéléré et à 100 mètres du but déjà. David Cousgatine de Bac. La deuxième course, écrasante victoire de Cartel Boss, un cheval que chamanique la veille, tu veux dire, moi, cheval-là, pour dire, c'est un Bank of the Day, vu sur classe sud-africaine. Et même si tu peux appréhender un petit peu, attention, les green, avec la présence de Jack Todd, tout ça dans les coussins, mais Cartel Boss, mon connu, une écrase de position, va plus de 4 longueurs 75. C'est un très très bon cheval, Santosh. C'est un cheval qui a ce premier sur le disque, hein, un cheval qui s'appelle Easy Vungu Vungu. Ce cheval-là, par la suite, il galopait les courses groupes, quand il gagne les courses groupes-là. Et puis, quand Cartel Boss galopait, il gagne ce deuxième sortie, il gagne pas 5 longueurs. Mais déjà, qui vous gagne, battre un cheval qui gagne les courses groupes, ça montre où qui vous veut. Dans la troisième course, Chanel, million de l'homme, a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Il répète seulement une performance affichée, vraiment ce superbe format d'entraînement. Bien monté par le jockey de Souza, même en one-off, monté avec beaucoup de confiance. Il a fait la différence assez facilement au finish. Oui, justement, avec la veille, moi, pensais au Tina Samraj, on a dit à l'antenne ici, tu confirmes nous que cheval-là est dans très bonne condition et que tu juste confirmes sur la piste. Et la série victorieuse de Krugas Edas a commencé avec un certain Citadel, Patrice. Là aussi, une bonne montre de Sunil Bassant qui dose bien sur un défaut en one-off et en ligne droite. Ils ont bataillé un petit peu parce que Anderson et Lead of My Life, tu termines en bolide, mais quand même, sa ligne conserve les ressources nécessaires pour faire la différence. Oui, Stadel, je pensais un premier les courses qu'il gagnait à sa saison-là, parce que ce n'est pas ce parcours. Je pensais c'est un cheval qui pourrait encore un des victoires à sa saison. Thomas Henry a remporté une belle victoire sur 990 mètres, et là, saluons la grande première de Taka parmi les professionnels. Ouais. Une très bonne montre de Yanish Taka qui nous démontrait. Et tout ce vigueur, et ils étaient sur l'écho dans la bataille, dans les 100 derniers mètres, pour dire, si il reprend l'Henri Tudor, qui peut faire figure de vainqueur à un moment. Mais Thomas Henry, même s'il est capable de progresser un petit peu encore au niveau de ses conditions, mais mon pensée, moi, le 55,5 kg, il fait la différence aussi. Mais Thomas Henry a encore progressé à partir de là, n'est-ce pas, Charlie? Oui, justement, avec mon pensée, c'est pas un cheval de 990 mètres. Il peut bien plus mieux, l'ON, pas encore un peu plus long, mais comme on peut dire, très très belle montre de l'apprenti Yanish Taka. Ce cheval PVS à l'intérieur, il redresse toujours, change de main, la cravache, et c'est un super monde pour Vingain au poteau. Spy a été exact au rendez-vous comme prévu, hein, une victoire très facile. C'est un cheval qui peut consigner montant puissance. A noter aussi la belle performance de Kargouli, même sur 990 mètres, un parcours trop court pour ses aptitudes. Kargouli, pas démérité de prendre la deuxième place, alors que Spry, et départ canon et kept on going in the straight, est monté en plein avec beaucoup de confiance par adjoint. Et dans la dernière, un faux départ après 21 ans. Le dernier faux départ qu'il nous a gagné, c'était avec Trinity Road, il y a 21 ans de cela. Et Trinity Road, quand il rentre dans le stall, il fait cause un faux départ. Il y a un petit gars à l'écoute, ça. Cette fois-ci, Good Buddy oui. est la cause du faux départ. Il saute second. Mais quand même, Grand Vision, là aussi, a été exact au rendez-vous grâce à la détermination de Sunil Bassant, qui n'a jamais abdiqué malgré la menace qui se faisait sentir avec Good Buddy et sans oublier aussi Liquid qui peut terminer faux sur les bases extérieures. Oui. Déjà, quand il a faux départ, Bassant, tu montrais son intention à la devant et quand il donne le vrai départ, il prend le commandement de la course et finalement, il nous a salué quelque part. Vous connaissez quand Zoké gagne les courses, moi Bassante, la fin de saison, tu peux gagner les courses. Il me monte en confiance. Arrivé à 200 mètres du but, Bassante, pas pressé. Il attend la ligne droite finale. Et pour lui demander Zéfo, Grand Vision.
si tu démarrais trop tôt, tu peux gagner battre. Parce qu'à la fin, on trouve Good Body qui tu peux venir très fort et surtout Liquide aussi, tu peux venir très très fort. Donc, nous bien saluer la très bonne monde de Bassante. Et comme Citadel, Grande Vision, c'est ces deux chevaux de l'équipe Gadjador, bien suivre les autres sur plus long. Et Chanel, on a une autre info aussi, tu as une enquête, n'est-ce pas? Oui, justement, tu as une enquête sur la montre de Akash Ozara, sur Free to Win, Free to Win, qui nous guidait à une droite, il y en a beaucoup critiques sur la montre du jockey. Alors, les commissaires de course viennent accepter les explications du jockey et parfois ne prennent aucune sanction contre lui. Alors, an explanation noted pour Akash Ozara. Week-end des courses, donc, organisé par People Stuff PLC. Et donc, je peux continuer cet apprentissage. Mardi, tu as une petite polémique à l'entraînement, côté un préposé de la piste. Parti présent pour le nivellement de la piste. Heureusement, Linvini, un petit peu en retard, entraînement, un petit peu quelque peu perturbé, mais tout retourne à la normale à partir de 6h30. Mercredi, jeudi, même ce matin, tout était réglé. Entraînement des routes normales. Beaucoup de galop ce matin, surtout les chevaux de l'écurie Gazador, qui bien en verbe ce matin, beaucoup, une douzaine de galop chez l'écurie Gazador ce matin en entraînement. Donc, People PSC Turf. People Stuff PLC qui peut organiser week-end les courses. Nous, c'est une petite affaire. Oui. Il y a un petit problème comme pour la première journée concernant l'assurance des jockeys. Oui. Et jeudi matin, il y a quelques jockeys qui peuvent dire nous, je ne vais pas encore gagner l'assurance. Mais au courant de la journée de jeudi, le problème a été réglé. Donc, ben, jockey, ce matin, il y a un collègue qui nous cause le jockey, dit ok, c'est réglé. Je t'assure pour les deux journées qui peuvent venir. Allons-y pour ce week-end de course. Nous commençons avec la journée de samedi, la course principale. Oui, Santosh, la course principale de samedi, The People Stuff PLC First Season Cup, qui peut galoper environ de 1400 mètres pour un cheval qui en a le meilleur rating ici à Maurice, avec le numéro 1, Frosted Gold de l'écurie Ricky Mangar, qui peut en arrêter Jurawan en selle, le 2, Hailer de l'écurie Simon Jones avec Robbie Bicari, le 3, Triple Fate Line de l'écurie Sham Merchant avec Vikram Sula, le 4, Al Rams de l'écurie Mangar avec Swapnil Rama, le 5, Call of My Fate de l'écurie Amarcy Udial avec José Da Silva, le 6, Dynamite Jack de l'écurie Rameshwar Gajadan avec Chase Mojan, le 7, Padre Pio de l'écurie Mervin avec Anthony Andrews, le 8, The World Tag de l'écurie Alette avec Jean-Roland Boutanive, le 9, Pietro Mascani, avec de l'écurie Chiri Schneider, avec Teja Stegal en selle, et finalement le 10, Trippies Express, de l'écurie Vishal Ramana, qui est pour une allocée des deux, Dinesh Sufol. Santosh, les stalles remplies, 10 chevaux, le gagnant de la Coupe d'Or de retour en piste, le numéro 1, Frosted Gold, Commandrouli. Un coursier qui bien, il réalise même quelques galops intéressants, transcendant à l'heure des galops ces derniers temps. 62 kilos, c'est toujours pas évident au début de saison, mais c'est un sujet de classe qui ne remporte la Coupe d'Or, qui n'est pas un certain Undercover Agent dans le temps d'une 36-74 en fin de saison. Il peut débarrer sur campagne, le 1400 mètres, ça les coûte ça, il paraît qu'il peut en avoir beaucoup pas, avec Al Rams, Call of My Fate, nous avons même World Tag avec les Blinkers. C'est un des courses qui went true run race, comment nous dire. Donc, Frosted Gold, c'est certainement un cheval qui pourrait trouver en arrière-garde, comme à l'accoutumée. Peut-être qu'il pourrait trouver en 5e, 6e position. Il n'est pas trop en retrait aussi. Et puis, avec 62 kilos, vous connaissez, c'est pas évident. Mais c'est un cheval qui, définitivement, il pourrait faire l'arrivée, vu sur classe. Vu que Rajurawan connaît très bien, il gagne une coupe d'eau avec lui. C'est un cheval qui m'a pensé, moi, l'icône sauvaleur, Raikon sauvaleur. Ricky Manga aussi connaît qu'il est dans sous la main. Il est dans 5 ans, ça veut dire qu'il peut continuer à progresser, c'est un improving sort. À l'entraînement, il n'est pas fait un rien de mauvais. Vous connaissez, un gris, il n'est pas facile, c'est un gris, sous forme. Mais au niveau de son travail, au niveau de son action, au niveau de son temps qu'il peut réaliser, il montre qu'il donne une forme appréciable. Frostal Gold, c'est certainement un cheval qui peut là, il peut figurer à l'arrivée, il peut même gagner, mais toujours une appréhension de 62 kg pour un first outing. Ou un coursier qui peut venir pour la deuxième fois cette saison, il gagne à sa reprise, c'est Call of My Fate. Il remporte une victoire attendue lors de sa première sortie sur 990 mètres, qui n'est pas nécessairement ce parcours de prédilection. En Afrique du Sud, Call of My Fate, il gagne deux fois le 1400 mètres. À Maurice, il remporte seulement un succès, le 1400 mètres, 1365 mètres, et lors de sa reprise sur 990 mètres. C'est un cheval qui gagne en condition. Comment il prend ce premier des courses? Première question qu'il nous pose, nous. Vous êtes l'expert mercredi, certainement, c'est un cheval qui super bien encaisse ce premier des courses. Définitivement, pour y avoir une chance dans les courses, ça, il est bizarre devant. Et vous pensez, moi, il est le plus rapide du lot. Call of My Fate avec 56 kilos, s'il y a le devant, certainement, tu vois, qu'il sera bien loin. Vous rappelez-nous, Shiny, les forces sont à 3 mètres des bases intérieures, à partir des poteaux de 1300 mètres, poil jusqu'au poteau des 300 mètres, si vous ne vous pas trompé. Donc, Triple Fate Line, pour essayer, il y a un coup tactique à l'avant. Attention, il y a quelques adversaires, quand même, Badly Drone, comme Dynamic Jack, qui est dans une superbe forme. Dynamic Jack, il a folé un peu les chronomètres.
quelques chronomètres très très intéressants. C'est un cheval qui excelle l'eau sous fraîcheur, mais avec une dixième ligne, avec les force rails à 3 mètres. Ou ticket, vous posez une bonne question. Tout dépendra des circonstances. Mojan, Pierre Vigan les courses. Il passe près avec un victor, la semaine dernière, deux victoires. Good Buddy et Little My Life. Dynamic Jack, c'est un très bon coucher qui prenait sous lui, mais la dixième ligne, il va vous ticker un petit peu. Et là, les courses, le 990 mètres, c'était un des courses correctes. À coup de conditions, certes, mais il fait des courses raisonnables. Ça, les courses, ça fait beaucoup du bien. Je vois l'âne bien progresser. C'est un outsider valable. C'est juste un petit réplicatif. Le numéro 10, Hayler, est de l'écurie Vicky Rui, et non pas Michel Rana. Pour penser ce sera ce premier... Non, pardon. Je parle de Hayler. Non, non, moi, c'est un réplicatif, on a dit que c'était Michel Ramana. Ouais. C'est plutôt Vicky Rui, le premier partant de Vicky Rui. Oui, le premier partant de Vicky Rui. Je peux cause Hayler. Certainement, c'est un cheval qui va faire mieux que ce qu'il nous démontrait au 990 mètres. Triple Fate Line, tout parcours qu'il nous réalisait en 2021, vous autres. Rarement, il fait de mauvais courses. Il commençait, il commence à battre Marauding, il bat Triple Express. Sur des derniers sorties, il gagne dans B66, il gagne dans 50 plus. C'est un cheval qui il suit, il accélère. Il prend dans ceux-là, le seul des deux. En attendant, Charles Carapou dit à nous qu'il s'occupe et vini, quand il s'occupe et vini. Mais Triple Fate Line reste un outsider valable. Nous avons aussi dans les courses à Padre Pio avec le nouveau jockey Andrews qui n'est jamais pour Jean-Michel Henry dans le passé. Ouais. Padre Pio, sans les blinkers. Mais un cheval qui nous démontrait qu'il est beaucoup plus calme à l'entraînement. Il est moins ardent, il travaille mieux par rapport à l'année dernière. Il n'a aussi que 5 ans. C'est un improving sort qui, certainement, le break, l'intersaison, fait beaucoup du bien. World Tag, première année, certainement un avantage, mais World Tag, 7 ans, pas évident. Mais la première année, en sa faveur, une place demeure à sa portée, vu qu'il nous connaît, il a de l'équerre bien, bien grand. Pietro Mascagni, a tout encore à prouver. Ce n'est pas un cheval qui inspire grande confiance. Peut-être qu'il y en a seulement un petit pépin. D'ailleurs, en 2021, il n'y a que deux fois. Donc, et le 10 Triple Express, c'est un grand moment pour Vicky Rui, ce premier partant dans une course principale. Le cheval-là paraît un petit peu à court de conditions. Il paraît un petit peu légèrement enrobé, mais quand même, c'est un grand moment pour Vicky Rui, qui nous souhaite bonne chance pour l'avenir. C'est quelqu'un très déterminé à bien faire. Il peut build-up sur l'écurie. Il y en a un nouveau. Il y en a toujours un nouveau qui est à l'extérieur. Mais à l'avenir, certainement, avec l'expérience, Vicky Rui, c'est certainement un jeune entraîneur qui est capable de confirmer qu'il représente la relève, sans oublier la famille Rui. Cause Patrice Ram Rui a marqué les esprits. Ram Rui est dans son empreinte, au Nuteuf. Et Vicky Rui, c'est un de ses neveux, n'est-ce pas, Patrice? Oui. Et donc, la sixième course, plusieurs fait un choix. Dans les deux autres, on parle pour Frosted Gold, Color My Fate, Dynamic Jack, et on peut ajouter un outsider, c'est le 3 Triple Fate Line. Patrice? Oui, Frosted Gold, l'année dernière, il gagne coup sur coup, Princess Margaret, Coupen, et Coupe d'eau. Et troisième couloir, quand on regarde ça, les courses Coupe d'eau, là, qui suivent derrière l'Iassat, derrière Oyegod, poids d'âge, il a accéléré extraordinaire dans la ligne droite, il termine en combien? 34,88, dernier 600 mètres. Et même si, demain, il y a 80% de ce moyen, quand ça va nous coucher là, mon corps, il est au-dessus du lot. Et si jamais il y a une défection de sa part, pour dire qu'il y a quelques problèmes en course ou bien il n'est pas retrouvé, et mon parle pour la deuxième place, mon parle pour le deuxième cheval pour moi, hein, qui est le deuxième cheval qui l'année dernière, vous rappelez, Padre Pio avant ce premier sorti, je vais dire, ouais, un grand cheval, une galope du lait, etc., etc. Mais c'est juste, c'est à la fin de la saison qu'il nous retrouve un peu sous forme. Oui. Surtout sa performance qu'il nous fait contre Nobesi, qu'il nous saute second. Et Padre Pio, pour moi, comme Santos Indien, progressait durant l'intersaison. Un cheval qui nous trouve sûrement un tout autre visage, espéré, pour la compétition. Maintenant en deuxième position, ensuite Color My Fate et Pietro et Woltag. Justement Woltag, pour faire moi un crédit dans mon côté, parce qu'il m'a dit demandé, mais qui c'est là qui parle devant dans les courses là? Parce qu'il y a un premier couloir, Woltag, il cavale devant. Et si jamais il insistait pour le commandement. Pour le commandement. Et qui balle les autres là, balle qui est rapide, comme Color My Fate, Triple Fate Line. Et pour trouver les autres à l'extérieur, pas quoi, maintenant pour. Pour essayer Aldan Tug of War, une coupe gauche à l'avant, et là, il pour avantage Woltag. C'est pour ça que moi qui ai de mon côté. Chamanique.
Moi, ça me touche indien, je pense, les points true and race, parce qu'il est normalement un joueur assez rapide dans sa Lego, ça. Quand l'œuvre m'a fait, il me montrait la vitesse sur 990 mètres, je pense, les points devant. Mais World Tag avec les Bingers et Triple Fatland aussi en vitesse. Donc, je pensais, prenant du pas dans les courses, pas pour capable de me hausser devant. Et ça peut arranger les affaires de Frosted Gold, qui sur la classe, est au-dessus du lot. Donc, pour moi, je fais confiance à Frosted Gold. Daily, je mets Call of My Fate, Triple Fate Line et Padre Pio. Et oui, comme cela, sur Triple Fate Line, oui, une question qui beaucoup de surfistes posent. Quand jockey pour arriver, un petit classement, cher. Tout d'abord, Vikram Sola, Movino Vikram Sola, il y a beaucoup qui me posent la question, qui fait Vikram Sola sur Mauritius sur... Donc, Movino Vikram Sola, Vikram, il a des pays en vie, il travaille à l'écurie, il peut donner un gros coup de main, et dans lui, et Atish Bini qui travaille avec eux là, tous les jours, de lundi, même samedi justement, matin. Justement, ça, Atish Bini, qui t'y désarçonnait par Emblem of Hope dans le Reading Post ce matin, t'y transporté à la clinique, au cas de nous, sur ma nouvelle, s'il vous plaît. Bon, c'est qui me comprend de David Juan Jong, c'est qu'il vient recevoir un coup. Au fait, quand Emblem of Hope est une pointée, étant une tombée, il y a un coup de sabot dans ce body. Heureusement, c'est au body protecteur, il y a un coup, mais il n'y a aucun ennui de grave, c'est qui nous comprend. C'est bien, très bien. Donc, cela, c'est quelqu'un qui est dédié à l'écurie actuellement. Donc, vous trouvez l'IPAN monté première journée, deuxième journée, puis il donne beaucoup de peine, fait bon temps à signaux, fait choix mécanique. Et quand l'IPAN demande la monte, l'IPAN demande de savoir cheval là pour monter, sportivement, nous ne pouvons pas refuser. C'est quelqu'un qui donne des peines dans l'écurie. Comment nous pouvons refuser un dimon qui peut travailler, qui peut donner des peines? Donc voilà la réponse, la raison pour cela. Et quant au jockey, André-Louise Silva, nous attendons un papier, il a un signe positif, nous espérons qu'il est là la semaine prochaine, mais il a toujours ce PMI qui nous attend, ça ne va pas dire exactement quand, nous connaissons une suppression de réponse, moi je ne vais pas dire où, c'est David Juan Chong qui pourra répondre. Les Brésiliens en fausse, hein, quand même. Les Brésiliens en fausse. Michel Platini de Haute-Bonnière. Je suis là, c'est un jeune Brésilien, il a 31 ans, il monte 10 au Brésil à Paraná, c'est un jeune fougueux, on va regarder comment il fait ici. Justement, ça me touche pour un cheval dans cette sixième épreuve, Frosted Gold, une PAD 8 kg, Hayler, une PAD 1 kg, plus 1 pour Triple Fate Line, plus 16 pour Alrams, plus 11 pour Call of My Fate, plus 4 pour Dynamite Jack, plus 23 pour Padre Pio, plus 24 pour World Tag, moins 3 kg pour Pietro Mascagni, et Trippies Express, il prend 3 kg. Indication de la cote chez SMS Parias, le numéro 1 Frosted Gold coté à 400 roupies, le 2 Hayler est coté à 800 roupies, 800 roupies également pour Triple Fate Line, 1600 roupies Alrams, 260 Call of My Fate, c'est lui le favori de la course, 600 roupies pour le cheval Dynamite Jack, 700 roupies Padre Pio, 2000 roupies World Tag, Pietro Mascagni, 3500 et Trippies Express qui est coté à 1500 roupies. Nous passons à la première course de la case Ravan Trophy sur 990 mètres, 0-20 avec ici 8 chevaux au départ. Le numéro 1, New Abbey de l'écurie Shah Merchant avec Yannick Stakansel. Le 2, Badawi de l'écurie Simon Jones avec Calvin Roy. Le 3, Edge of the Sun de l'écurie Amar Siudel avec José Da Silva. Le 4, Into the Mystic de l'écurie Narang avec Jamir Aliosen. Le 5, c'est Majestic Moon de l'écurie Nagadu avec Akash Ocharaz. Le 6, c'est Bells Apostle, notre doublure de l'écurie Narang avec Tejash Jaglal. Le 7, Le Quartier de l'écurie Preterm Debut avec Michel Platini de Oliveira. Et le 8, Arctic Flyer, la doublure de l'écurie Narang avec Dinesh Souffle. Santosh, chaîne 0-20, mais ici nous trouvons que le numéro 1, New Abbey, fait figure d'épouvantail. Non, dans une classe pareille, pas évident. Hein. New Abbey, la jument, certainement, il peut dans l'avantage et dans un moins 4 de celui-là, c'est-à-dire 58 kg. Mais pas oublier qu'il enseignait des narines dans sa dernière sortie. Bon, tout leader qui, quand je devine après repos, c'est certainement raison de l'avantage, le repos bénéfique pour eux. Sa jument-là, c'est un cheval qui nous a gagné sur 990 mètres côté Tibat Dunzi. 56-15 sur 990 mètres. 58 kg avec Taka, certainement. Elle a une chance. Elle a une chance, mais de là à venir dire Super Banker, non. Attention, il y a quelques outsiders. Voilà, Montouan Cheval, un travail en progrès, en net progrès. C'est le 4 Into the Mystic de l'écurie Chérish Narang. C'est un cheval qui n'a pas fait n'en jusqu'ici, oui, mais à l'entraînement, il a démontré ben, gros progrès. Peut-être une mieux acclimatée aux conditions locales. S'il confirme son progrès-là, certainement, on connaît maintenant la matière de TRC, quartet, placé. Les autres prennent en considération. Un cheval comme les autres, s'il prend le bon départ, surtout que ce jockey reste un spécialiste de 990 mètres, c'est Arctic Flyer. Avec 54 kg dans 0,20, vous pensez, moi, Arctic Flyer, il est assaut second dans 0,20,
s'il prend le bon départ avec Dinesh Souful, qui connaît Dinesh Souful, et 990 mètres. Belle histoire d'amour, ça. Attention à ce coursier, surtout en début de saison, avec 54 kilos, il grale bien, bien loin. New Abbey, Arctic Flyer, Into the Mystic et Edge of the Sun, le quartet dans la première. Patrice? Oui, moi, on parle pour une victoire de Arctic Flyer. Et en deuxième position, mettre New Abbey. Surtout à cause de la ligne, hein. Arctic Flyer à l'intérieur, quand il dit s'il prend des ports, vous pensez qu'il vous retrouve en tête, il va retrouver lui en tête, et là, dans ce cas-là, il prend un gros avantage pour lui. Et pour troisième et quatrième position, on choisit Edge of the Sun et Majestic Moon. Chamanique. Moi, pour moi, ça les coûte ça pour le vélo au départ. Ça dépend qui départ Arctic Flyer vous prend. Donc, moi, pour faire confiance à l'écurie, moi, pour mettre New Abbey à la première place, et Arctic Flyer et Into the Mystic. Passons à la deuxième course de bien-être social résidence Gaëtan Duval. Mais d'abord, le poids des chevaux et la cote. New Abbey, qui ne prend 4 kilos, la jument sur la balance. Badawi, plus 2, plus juste pour Edge of the Sun, plus 13 pour Into the Mystic, plus 2 de Majestic Moon, plus 14 pour Belle Apostle qui revient. Ce dernier des courses, c'était en 2019. Plus 6 pour Le Quartier, moins 6 pour Arctic Flyer. Indication de la cote, le 1 New Abbey, la grande favorite, est coté à 210 roupies. 800 roupies pour Badawi, 450 pour Edge of the Sun, 500 roupies pour Into the Mystic, 1600 Majestic Moon, 3000 Bell's Apostle. Le Quartier également coté à 3000 roupies et Arctic Flyer qui est coté à 400 roupies. La deuxième course de bien-être social, résidence Segal et Duval, GRNO Trophy sur 1365 mètres, 0,26 avec 7 chevaux au départ, le numéro 1. Soul Connection de l'écurie Pravin Nagad avec l'apprenti Taka Ansel. Le 2, c'est à nouveau Egnima Code de l'écurie Péandro avec Corsé Ramsamy. Le 3, High Voltage de l'écurie Amar Sioudial avec José Da Silva. Le 4, c'est à nouveau Hono Kalani de l'écurie Kemangar avec Raj Rawan. Le 5, Instinctive Power de l'écurie Raj Ramdin avec Palvir Mogan. Le 6, Spin Drop de l'écurie Simon Jones avec Akash Ocharaz. Et le 7, Secret Idea de l'écurie Pritam Devi avec Michel Platini de Oliveira. Santosh, le numéro 4, Hono Kalani, c'est un nouveau de l'écurie Kemangar. Et déjà d'entrée, il est à 150 roupies chez les bookmakers. Est-ce que c'est un favori logique? Vous pensez oui. C'est un coursier qui galope dans les courses richement doté. On est là le programme, on écoute 300 000 rands, 400 000 rands, contre qui Ngaloupé, Ngaloupé comme le meilleur 2 ans, 3 ans. Ngaloupé dans le groupe 1, groupe 2, ça m'a coursé de 2 ans, si vous ne pas tromper, chien. C'est un cheval qui n'est pas vraiment démonstratif ici depuis qu'il y travaille, mais il est bien, il travaille très bien. Est-ce que c'est un cheval de 0,26, c'est pas, nous pas trouver un deuxième scénario comme Cartel Boss. Pour moi, pour faire des limos favoris, vu chevaux, derrière lequel sont placés, ça m'a coursé là, il m'a coursé groupe après. De nouveau, une indication sur Valère, mais tout est possible sur la piste. On connaît un cheval sur acclimatation, tout ça là, mais le papier, il fait peur. Ono Kalani. Et derrière lui, moi pour place Instinctive Power, moi pour place High Voltage et Pin Drop qui me rappelle juste une fin de course très correcte des 1 million de dollars. Et pas des 1 million de dollars, c'était lors de la première journée, quand les tissus sont 3e, si je ne me pas trompé, un peu loin du vainqueur, Remus, le cheval de Shamanic. Mais quand même, c'était une course raisonnable. Patrice, Hono Kalani, 5 sorties, 1 victoire et 3 placés en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a des buts victorieusement? Pourquoi? Sur papier, c'est un de mes 3 ans qui est resté. Ça en est là. Et pour moi, même à 60-70%, dans sa Lula 0,26, il est complètement déclassé ce cheval-là. Donc, espérons qu'il est confirmé sur le gazon. Même à 150 roupies, ben là, il y a bien que la journée. En deuxième position, Instinctive Power. Et ensuite, on passe Pin Drop, qui pour bien faire avec ce premier couloir. Chamanique, ou qui suivent un peu les courses sud-africaines, explique-nous un peu le palmarès de ce Hono Kalani. Ce dernier des courses, c'est un groupe 1, mais réservé aux chevaux de 2 ans. Si vous faites ça les courses, là, il rentre la ligne droite en dernière position. Devant lui, on a Ban Meyer 2 ans, on a Waterbury Lane, on a William Robertson. William Robertson, il gagne les courses samedi dernier, il regagnait hier encore. Oui. Et il vient battre ce cheval-là pour prendre la deuxième place derrière Good Traveler, qui est également un très bon cheval en Afrique du Sud. There's no race. On SFO, there's no race. Maintenant, le champ de Mars. Mais pour moi, il est impensable que ça soit la carapace, c'est comme ça. On SFO, il compte plus la race. Derrière lui? Instinctive Power et Pin Drop.
indication de poids de cheval dans certaines courses. Soul Connection à 445 kg, il prend 8 kg sur la balance. Ignima Code, c'est un nouveau qui pèse à 500 kg. High Voltage, plus 14. Renaud Calani, le grand favori, pèse à 486 kg. Plus 15 pour Instinctive Power, moins 4 pour Pin Drop et plus 20 pour Secret Idea. Du côté de la cote, Soul Connection est coté à 1800 roupies, Ignima Code 1400, High Voltage 500, Renaud Calani le grand favori à 150 roupies, Instinctive Power 900, 500 roupies pour Pin Drop et Secret Idea qui est coté à 2500 roupies. La troisième course, The Ask You Trophy sur 1450 mètres, 0,25 avec 10 chevaux au départ, le numéro 1 Power Tower de l'écurie Ramesh Ranganathan avec Jamie Hardy-Hussein Ancel. Le 2 Quest for Good de l'écurie Simon Jones avec Akash Ocharaz, le 3 Talisman de l'écurie Alette avec Robbie Bicari Ancel, le 4 Lademan de l'écurie Ramana avec Jean-Loire Dethier, le 5 Xenon de l'écurie Magar avec Abhishek Sonaram, le 6 Gone Travelling de l'écurie Raj Ramdin avec Niven Mardé, le 7 Supreme Orator de l'écurie Mahdi avec Yanish Taka, le 8 Heart of Darkness de l'écurie Sherry Stang avec Tejas Chagdal, le 9 Mars de Marina de l'écurie Pedro avec Kassel Amsami, le 10 Artax de l'écurie Siudial avec Swapnil Rama. Nous pourrons une analyse avec tout ça après le tour.